السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، donc comme vous le savez, nous sommes dans un jour qui est particulier, qui est le jour du vendredi, qui est un jour de fête pour notre communauté, et dans lequel il y a nombre de prescriptions qui nous ont été légiférées, qui sont des prescriptions particulières et spéciales et spécifiques à ce jour, le jour du vendredi. Et qui sont également des prescriptions recommandées à toute heure et à tout temps de la vie du musulman. On va évoquer, bi'idhnillahi ta'ala, en particulier une de ces prescriptions, qui est le fait de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est une prescription qui malheureusement est négligée par beaucoup, et qui pourtant a toute son importance dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a énormément de textes, énormément de livres même qui ont été écrits au sujet de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet de son bénéfice et au sujet de son impact important. Mais bi'idhnillahi ta'ala, on va sélectionner un chapitre du magnifique livre, de l'excellent livre de l'imam Nawawi rahimahullah, Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, qui est le chapitre de la prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Kitab al-Salati ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire as-salat ala Rasul? Qu'est-ce que ça veut dire prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu al-Aliya, qui est un grand savant, il explique le terme as-salat, comme mentionne al-Bukhari dans son sahih, comme étant, lorsque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il couvre d'éloges le concerné dans al-mala'l-a'la, dans l'assise la plus haute, c'est-à-dire auprès des anges. Donc lorsqu'on dit sallallahu ala Muhammad, Allah prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'Allah, il le couvre d'éloges. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ses éloges auprès des prophètes. Et lorsqu'une créature, elle prie sur une créature, comme lorsque nous on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on demande à Allah ta'ala de le couvrir d'éloges. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le couvrir d'éloges, et c'est cela le sens de nusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. On prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi. Donc cette prière là sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est extrêmement importante, et il est mentionné à son sujet plusieurs textes dans le Coran et dans la Sunna qu'on va lire bi'idhnillahi ta'ala. Donc premièrement, ici l'imam al-Nawawi rahimahullah azza wa jal, il dit dans son livre Riyad al-Salihin, Kitab al-Salati ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Donc il mentionne premièrement un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous informe que lui-même, il couvre d'éloges le prophète alayhi salatu wassalam, et que ses anges, ils font de même et ils lui demandent de le couvrir d'éloges. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il nous ordonne, et ça c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse, Ya ayyuha alladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment. Donc c'est un ordre. C'est un ordre qui nous est dirigé, on est obligé d'obéir à cet ordre-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse. Quant au hadith qu'il a mentionné, qu'Allah ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit, وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي وقال حديث حسن
وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي وقد بليت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a évoqué, premièrement, les quatre hadiths qu'on a mentionnés. Donc les premiers hadiths qu'il a mentionnés, il mentionne le bienfait et le mérite de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, c'est le hadith que rapporte Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, qu'Allah ta'ala l'agrée lui et son père, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui prie sur moi une prière, Allah priera sur lui 10 prières. » Donc ça montre le bienfait et le mérite de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire les éloges de son prophète, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fera lui ses éloges 10 fois. Et imaginons comment est-ce que, yani, combien est grande cette récompense-là quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il fait nos éloges et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il prie sur nous tabaraka wa ta'ala. C'est un degré qui est énorme. Et pour toute prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a 10 fois ce degré. Le deuxième hadith, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, Allah ta'ala l'agré, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Les gens qui seront les plus prioritaires de m'avoir le jour de la résurrection seront ceux qui auront le plus prié sur moi durant leur vivant. » C'est-à-dire que le jour de la résurrection, imaginez quand il y aura cette ambiance catastrophique et terrible du jour de la résurrection où les gens courront dans tous les sens, où les gens ne sauront pas où aller, où les gens seront terrifiés et terrorisés de voir toutes les calamités, toutes les catastrophes qui arrivent, et bien ce jour-là, ceux qui auront le plus le droit d'être avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et d'être auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam seront ceux qui auront prié abondamment sur lui, alayhi salatu wa sallam. Si on compare cela avec ce qu'on voit dans ce bas monde, imaginez-vous lorsque une personne connue, influente, que ce soit, en général on prend comme exemple les stars, etc. Je préfère éviter ces exemples pour cette fois parce que ce sont des gens qui sont dans le milieu de la perversité, donc ne les prenons pas comme exemple. Imaginons un roi ou une personne qui est éminente dans la religion, une personne qui est un grand savant, etc. Lorsqu'il arrive dans un endroit, eh bien en général les gens ils se rassemblent tous autour de lui. Ils veulent tous l'approcher, ils veulent tous le saluer, ils veulent tous se mettre avec lui. Et imaginez que ce roi-là ou cette personne-là influente, ce savant-là, sélectionne parmi ces personnes-là qui sont autour de lui des personnes privilégiées qu'il va rapprocher de lui et qui vont l'accompagner, et avec qui il va être. Donc imaginez ce plaisir-là et ce bonheur-là d'être avec cette personne-là influente et d'être avec elle, d'être dans son entourage. De l'accompagner, de pouvoir l'accompagner dans ces situations-là. Alors que ce n'est pas des situations, on a besoin de la protection de la personne, mais on veut juste l'approcher pour la saluer, pour avoir le plaisir d'être avec elle. Alors imaginez le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, dans cette situation terrible et terrorisante, on aura tous besoin d'être parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvera. Et à leur tête, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui sera proche du messager sallallahu alayhi wa sallam sera plus proche de la personne qui sera sauvée et même qui sera la clé du salut de toute l'humanité. Alayhi salatu wa sallam, le jour de la résurrection. Donc ça doit nous pousser à multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam davantage et davantage. Le troisième hadith, et c'est un hadith qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, qui est le hadith de Aws ibn Aws, qu'Allah ta'ala l'agrée, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur de vos jours » et le jour du Jumu'ah, et le jour du vendredi. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاتِ فِيهِ. Multipliez donc les prières sur moi en ce jour, donc particulièrement en ce jour. C'est cela que je disais au début de l'intervention. Je disais que la prière sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des prescriptions qui sont particulièrement ordonnées et instituées pendant ce jour-là du vendredi, même si elles sont instituées à tout moment de la vie du musulman, mais particulièrement le jour du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي car vos prières me seront exposées.
multipliez les prières en ce jour, car vos prières vous seront exposées. C'est-à-dire qu'on exposera les prières de chaque être humain, de chaque musulman sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. On viendra et on dira, Ya Rasulallah, telle est la prière d'un tel fils d'un tel. Il a prié sur toi 5 fois. Et telle est la prière d'un tel fils d'un tel, il a prié sur toi 100 fois. Et telle est la prière d'une telle fille d'un tel, elle a prié sur toi 1000 fois, etc., etc., etc. Chaque prière, elle sera exposée au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azzawajal a chargé spécialement des anges qui vont transmettre le salut de ceux qui ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur répond. Donc imaginez ce degré-là, on veut tous plaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui qui plaît au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plu à Allah. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapproche de l'amour d'Allah. Donc imaginez comment est-ce qu'on a envie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam constate nos prières sur lui. Aujourd'hui, si une personne à qui on porte le respect, une personne qu'on respecte, que ce soit nos parents, pour ceux qui ont encore du respect envers leurs parents, malheureusement à notre époque c'est une chose qui se perd énormément, pour ceux qui respectent beaucoup leurs parents, pour ceux qui respectent beaucoup quelqu'un de leur famille, par exemple leur grand-père ou leur grand-mère, ou même quelqu'un de leur entourage ou quelqu'un qui a fait beaucoup pour eux, une personne que tu respectes, al-hasil, une personne que tu respectes énormément. Eh bien, tu seras satisfait et tu auras toujours envie de te montrer dans la meilleure des formes devant lui. Tu auras toujours envie de te montrer devant cette personne-là en tant que quelqu'un qui réussit, en tant que quelqu'un, yani, pour lui faire plaisir. Lui montrer que tu réussis dans tes études, si tu fais des études, ou que tu as un bon travail, si tu as un travail, ou que tu as une bonne situation, etc., etc. Tu as toujours envie de lui montrer une image plaisante de toi pour qu'il soit satisfait. Parce que sa satisfaction, elle t'importe étant donné que tu le respectes. Alors que dire du messager sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui a tant fait pour nous, celui qui s'est sacrifié pour nous, pour que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala nous parvienne, et pour que nous soyons parmi les gens guidés. Celui de qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait la description dans le verset où il dit « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم » Vous êtes venu un messager de vous-même, c'est-à-dire des humains, qui est vigilant par rapport à vous, qui fait des efforts pour que vous soyez guidés. حريص على هدايتكم qui fait des efforts pour que vous soyez guidés. عزيز عليه ما عنتم à qui fait du tort ce que vous subissez comme mot et comme calamité. بالمؤمنين رؤوف الرحيم qui est miséricordieux et clément envers les croyants. Donc ce messager sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, on se doit de lui montrer de nous une bonne image pour qu'il soit satisfait de nous et qu'ainsi Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Et pour que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous accepte parmi ses suiveurs et qu'on soit digne d'être parmi ses suiveurs et digne d'être parmi les gens de sa communauté alayhi salatu wa salam, et qu'on soit digne de le retrouver le jour de la résurrection pour qu'il soit notre intercesseur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous soyons sauvés parmi les sauvés le jour de la résurrection. Donc là les compagnons ils posent une question, ils disent Ya Rasulallah, wa kayfa tu'radu salatuna alayka wa qad aramt. Ils disent ô messager d'Allah, comment est-ce que nos prières te seront exposées alors que tu seras en poussière? Parce qu'il est connu que chaque être humain qui est enterré, son corps se décompose et qu'il finit en poussière, inévitablement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Inna Allah harrama 'ala al-ardi ajsad al-anbiya. Certes, la terre a interdit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, a interdit à la terre de consommer le corps des prophètes. C'est-à-dire que les prophètes, ils sont intacts dans leur tombe. Les prophètes, ils sont intacts dans leur tombe et leur corps n'est pas dégradé par la terre comme l'est le corps de n'importe qui parmi les êtres humains. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي وقال حديث حسن. Le quatrième hadith que l'auteur, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a évoqué dans Riyad al-Salihin, dans ce chapitre-là, de la prière sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ, qu'il soit méprisé. Qu'il soit méprisé. رَغِمَ أَنْفُهُ, c'est une expression en arabe qui veut dire littéralement que son nez soit collé à la terre. Que son nez soit collé à la terre. C'est-à-dire qu'il soit méprisé, qu'il soit avili. Celui auprès duquel j'ai été évoqué, auprès duquel, pardon, j'ai été évoqué, auprès de qui j'ai été évoqué, et qui n'a pas prié sur moi. C'est-à-dire qu'ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait une invocation contre celui
qui entend parler du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prie pas sur lui. Aujourd'hui, on entend des gens écouter des rappels, écouter des sermons, écouter des muhadara. Il entend 10, 20, 100 fois, 200 fois celui qui est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il entend des centaines de fois parfois dans un cours ou dans un sermon le nom du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il ne prie pas sur lui une seule fois. Ça, c'est extrêmement grave. Ça montre que dans son cœur, il n'y a pas d'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui aiment vraiment le messager sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'ils entendent parler de lui, leur corps tremble. Ils commencent à, yani, leur esprit s'éveille. Ils commencent à écouter. Et les véridiques d'entre eux, les larmes coulent. Comme a dit le poète, كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. Le poète il dit كل القلوب إلى الحبيب تميل. Tout cœur sera attiré par celui qu'il aime. ومعي بذلك شاهد ودليل. Et j'ai pour cela une preuve et un argument. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. La preuve que j'ai, c'est que lorsque tu évoques Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les larmes des véridiques commencent à couler. Donc ça montre à quel point celui qui aime le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas supporter d'entendre son nom sans prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur, c'est de prier en disant sallallahu alayhi wa sallam. Une erreur que beaucoup, et j'en fais partie, font lorsqu'ils parlent du messager sallallahu alayhi wa sallam durant un cours ou durant un sermon ou durant un rappel, c'est qu'il abrège la prière sur lui en disant sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors certaines fois à l'écrit, certains ils vont écrire SWS, ou ils vont écrire un S entre parenthèses. Ça c'est une erreur. C'est une erreur qui montre que nous n'avons pas de respect véritablement pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne prend même pas le temps d'écrire la prière sur lui ou de la prononcer. On ne prend même pas le temps de dire sallallahu alayhi wa sallam. On dit sallallahu alayhi wa sallam. Où on dit SWS. Donc ça c'est une erreur. Et quant à l'écriture de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par un sigle, ça a été critiqué par les ulama du hadith, comme le mentionne l'Iraqi ou Suyuti dans leur Alfiya du hadith, et d'autres ulama. Mais ça c'est un sujet qui n'est pas le nôtre ici. Donc tout ça pour montrer que prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la moindre des choses pour montrer que tu l'aimes, alayhi salatu wa sallam. Et on parle même pas des gens qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dire sallallahu alayhi wa sallam. Certaines fois, les gens ils vont parler du prophète alayhi sallatu wa sallam sans même mentionner la prière sur lui ou sans même mentionner le prophète. Ils vont dire Mohammed. Pour ceux qui ne disent pas Mahomet, mais ça, ceux-là, on doute de leur islam. Mais certaines fois, ils vont dire, hey, tu sais, le prophète, il a dit ça. Et, subhanallah, c'est pas ton ami. Il n'a pas grandi avec toi. Il n'a pas fait l'école avec toi. C'est pas un ami à toi. Tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation que les ulama ont donnée aux communautés. Ils obligeaient aux gens de dire Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre maître, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une éducation. Malgré, on ne rentre pas dans la question de est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire, etc. Mais c'est un comportement sur lequel les savants ont éduqué les communautés, et ont éduqué leur peuple, et ont éduqué leurs élèves, pour que l'évocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se fasse pas gratuitement. Elle ne se fasse pas, yani, sans aucun comportement. Hey, tu sais, le prophète, il a dit dans un hadith, il a dit ça. Non, c'est pas comme ça. Si les ulama, comme l'imam Malik ou comme l'imam al-Bukhari, avant de parler du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant de citer les hadiths du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient leurs ablutions. Ils se coiffaient, ils se nettoyaient, ils mettaient leurs plus beaux habits pour aller dans les majalis de hadith. Si al-Bukhari, il faisait ses ablutions, il faisait deux raka'at avant de citer un hadith dans son sahih. Alors que dire de nous qui n'avons pas leur degré de piété, qu'est-ce qu'on devrait faire pour montrer notre amour au messager sallallahu alayhi wa sallam? Le hadith suivant que l'imam Nawawi rahimahullah a évoqué dans Riyad al-Salihin, c'est le hadith qui est selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, toujours, qui dit wa anhu radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu qabri 'ida. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne faites pas de ma tombe un lieu
littéralement, on traduirait un lieu de fête, c'est-à-dire un Eid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire de sa tombe un lieu qu'on va prendre comme lieu d'adoration, lieu de fête, ou alors qu'on va visiter plus que ce qui est demandé. C'est-à-dire que la visite légiférée de la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est de passer devant la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam, de le saluer, de saluer ses deux compagnons et de s'en aller. Et certaines personnes, elles exagèrent, au point elles veulent faire de la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam un endroit qui a une particularité qui n'est pas la sienne véritablement. Certains, ils vont se tourner vers la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils vont prier. Et ça, on l'a déjà vu dans Al-Madinah, dans le Masjid al-Nabawi. Certains, ils prient en direction de la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit les invocations, que ce soit deux rak'at, et ça, c'est encore pire. Ou d'autres, ils vont essayer de tourner autour de la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam en passant par les différentes portes du Masjid Nabawi. Ça, c'est quelque chose, c'est une abomination, une aberration qui n'a aucun fondement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé dans le hadith où il dit: La taj'alu qabri 'ida, ne faites pas de ma tombe cet endroit-là de culte, ou cet endroit-là de fête ou de rite qui n'est pas le sien. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu quburi anbiya'ihim masajid, qu'Allah maudit les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ishtadda ghadabullah, la colère d'Allah s'est intensifiée, c'est la colère d'Allah est terrible envers celui qui fait de la tombe de ses prophètes un lieu d'adoration. Donc ça, c'est la première partie du hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Et priez sur moi, car votre prière me parviendra où que vous soyez. Le mal qu'il y a à faire deux rak'at devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ce n'est pas rapporté, ce n'est pas légiféré dans notre religion. Les deux rak'at, elles sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne sont pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore pire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Fawallu wujuhakum شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Et tournez vos visages en direction de la mosquée sacrée. Donc tournez son visage en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement on tourne le dos à la Kaaba, donc on fait l'inverse de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais en plus on se dirige vers une tombe. On se dirige vers une tombe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela. La'anallahu al-yahuda wan-nasara. Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Donc c'est pour cela que c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave et qui ramène, qui pousse vers l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, nous, dans nos assises, on a répété à nombreuses reprises, et c'est quelque chose qui revient tout le temps dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est une religion de juste milieu. On est une religion de juste milieu. C'est ainsi que nous vous avons fait une communauté de juste milieu. Ni on va vers l'extrémisme et vers l'exagération, ni on va vers le laxisme. Ni on fait comme ceux qui ne respectent pas le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'aiment pas véritablement. Ni on fait comme ceux qui dépassent les bornes par rapport au messager sallallahu alayhi wa sallam et qui font du zèle et qui font plus que ce que nous leur avons demandé. Ils font plus que ce que ne leur a demandé Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On reste dans le juste milieu. Dans le hadith également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Priez sur moi, car vos prières me seront exposées, peu importe où vous soyez. Vos prières me seront exposées dans ma tombe, peu importe où que vous soyez. Donc, comme on a dit, les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prières, pardon, qu'on fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles lui sont exposées, peu importe où on est. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si il nous indiquait dans la parole où il dit Haythu kuntum, peu importe où vous soyez, que l'importance n'est pas d'être en face de sa tombe. Certaines personnes, ils vont être en face de sa tombe, ils vont penser que c'est quelque chose de particulier. Non, où que tu sois, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui parvient. Visiter sa tombe, certes, c'est un acte bénéfique, certes, c'est un acte qui est demandé, mais ce n'est pas quelque chose de particulier. Ça veut dire que tu ne penses pas que tu vas parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que tu as visité sa tombe, ou tu vas faire un dialogue avec lui, où tu vas entendre une voix, où tu vas voir un ange, ou non. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui parvient où que tu sois. Même si tu es à l'autre bout de la planète.
Tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait parvenir ta prière. Et le hadith suivant, anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Donc le hadith suivant qui est toujours rapporté par Abu Huraira, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas une personne prise sur moi sans qu'Allah rende mon âme, me rende mon âme, afin que je rende son salut. Pas une personne ne me salue, yusallim alayhi, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me rende mon âme pour que je le salue. Et ça, c'est pas obligatoire que ce soit entendu. C'est pas, yani, c'est pas obligatoire que la personne elle arrive devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit assalamu alayka ya Rasulallah, et elle va entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire wa alayka assalam. C'est pas ça le sens du hadith. Ça veut dire que l'invocation qui est inclue dans salam, dans la salutation islamique, parce que le salut en islam, c'est pas un salut qui est comme bonjour ou au revoir. Non, c'est un salut qui comporte une invocation. Tu invoques pour ton frère lorsque tu lui dis assalamu alaykum. C'est une invocation. C'est-à-dire que la paix soit sur vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descende la paix sur toi. Et donc cette invocation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y répond pour toute personne qui le salue. Donc quand tu dis sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de récupérer son âme pour qu'il te rende ce salut-là que tu lui as adressé. As-salat ici, dans notre chapitre, c'est la prière dans le sens de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la langue, donc les éloges. Et as-salam ici, c'est les salutations. Il y a une différence, une distinction entre les deux qui est faite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset lorsqu'il dit « Ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » « Ô vous qui avez cru, priez sur lui et saluez-le abondamment. » Donc il y a une distinction entre les deux, entre la prière, donc « as-salat » sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre « as-salam » la salutation. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي علي بن ابي طالب كالله تعالى غير évoque que le messager صلى الله عليه وسلم a dit البخيل l'avare c'est celui auprès de qui je suis évoqué et qui ne prie pas sur moi. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu n'es même pas capable de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم déjà il l'a invoqué sur toi et en plus il t'a qualifié d'avare. Tu es un avare si tu n'arrives même pas à faire l'effort de bouger ta langue pour adresser une salutation au messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu es quelqu'un d'avare qui ne mérite pas véritablement d'être qualifié d'amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas musulmane, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est un degré qui est mauvais, c'est un degré qui est honteux, c'est un degré qui est blâmable. C'est comme une personne qui n'a pas un respect envers ses parents qui est convenable. Elle ne respecte pas ses parents. Elle fait ses obligations, par exemple, mais elle ne respecte pas ses parents comme il se devrait. Bien, cette personne-là, son degré, il est blâmable. On ne dit pas qu'elle n'est pas musulmane, on ne dit pas que c'est plus ses parents. Mais on dit que son degré, il est blâmable et elle devrait faire davantage. Donc c'est la même chose ici. Si tu n'arrives même pas à bouger ta langue pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'évoque et dire sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est que tu es un avare. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invoqué contre toi pour que tu sois humilié. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Donc Fadala ibn Ubayd, qu'Allah ta'ala l'agrée, qui est un compagnon, il évoque qu'il a entendu que le messager sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer dans sa prière, sans avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, et sans avoir prié au préalable sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, عجل هذا, il a alors dit, cette personne-là s'est empressée. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'a pas donné à l'invocation la patience qu'elle mérite. Cette personne-là n'a pas donné à l'invocation la patience et le comportement qu'elle mérite. Plutôt, elle s'est empressée sans veiller à respecter les comportements de l'invocation.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici c'est une critique qu'il fait, qu'il va corriger alayhi salatu wassalam en l'appelant. Donc ça montre que, ça nous enseigne que toute personne qui fait une chose mauvaise, eh bien ait le courage, au lieu de simplement parler sur lui, ait le courage de l'appeler et de lui mentionner son erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien déjà le comportement lorsqu'il critique l'acte de la personne. Il dit, ajila hadha, cette personne-là s'est empressée. Il n'a pas dit, ya hamar, ya bhim, ô toi l'âne, ô toi l'imbécile, tu as fait une chose qui est mauvaise, etc. Ça montre le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on trouve les personnes qui se prétendent connaisseuses ou qui se prétendent professeurs ou imams, etc. Lorsqu'il voit quelqu'un faire une erreur dans sa mosquée ou dans sa classe, directement il va sortir le grand jeu. Il va commencer à l'insulter, et toi tu comprends rien, et toi ceci, et s'il ne le frappe pas. S'il ne le frappe pas, déjà on remercie Allah qu'il n'ait pas frappé. Alors que ça c'est un comportement qui est complètement à l'opposé de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme comportement. Il a dit ajila hadha, celui-là s'est empressé, ensuite il l'a appelé. Il l'a appelé pour le corriger, et dans le récit du hadith, il dit, le rapporteur il dit, il a dit à lui ou à un autre que lui, idha salla ahadukum, فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ. Lorsqu'une personne d'entre vous, elle invoque, qu'elle commence à faire les éloges de son Seigneur, Subhanah, qu'elle commence à faire les louanges, pardon, de son Seigneur, Subhanah, وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ, et à faire ses éloges. ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, puis qu'il prie sur le prophète, صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ, et après cela, qu'il invoque par ce qu'il veut. Donc ça fait partie des comportements de l'invocation. Il y a énormément de comportements de l'invocation qui sont rapportés dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, que un des savants a rassemblé au nombre de 10 dans des vers de poésie qu'on va lire bi'idhnillahi ta'ala. Le alim il dit: qalu shurutu ad-du'a al-mustajab lana, qalu shurutu ad-du'a al-mustajab lana, 'ashrun biha bushira ad-da'i bi-iflahi, taharatun wa salatun ma'huma nadamun, وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعو بمعصية، واسم يناسب مقرونا بإلحاح. Donc ces vers de poésie-là ont rassemblé les 10 comportements à adopter lorsqu'une personne elle va faire une invocation. L'auteur, il a dit d'abord taharatun. D'abord se purifier, faire ses invocations, faire ses ablutions, pardon. Lorsque tu veux faire une invocation, fais tes ablutions, prends le temps d'aller te purifier, d'aller faire tes ablutions. Et ensuite, tourne-toi vers la qibla. Ça fait partie également des comportements de l'invocation. Tourne-toi vers la qibla et invoque. Le deuxième qu'il a évoqué, c'est le fait que ce soit en prière. Et le meilleur, c'est que ce soit dans la prosternation. Ou alors dans l'attente d'une prière. C'est-à-dire que la personne, elle va à la mosquée si c'est un moment où il est interdit de prier, comme le moment actuel, après Salat al-Asr, ou le moment après Salat al-Fajr jusqu'au lever du soleil, eh bien, elle attend la prière suivante. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui est en attente de la prière suivante, elle est considérée comme étant en prière. Et le meilleur moment de la prière où il faut faire des invocations, c'est le moment de la prosternation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit: aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. L'état où la personne est le plus proche de son Seigneur, c'est au moment où elle est en prosternation. Fa'akthiru fihi ad-du'a, multipliez donc à ce moment-là vos invocations. Également, parmi la condition qu'il a évoquée, les 10 conditions que l'auteur a évoquées, qui est le Badr ibn Jama'a, il a dit ma'huma nadamun, que la personne elle regrette, c'est-à-dire que le repentir, ça fait partie des conditions de l'invocation pour qu'elle soit acceptée bi-ibnillahi ta'ala, se repentir. Faire un repentir avant d'invoquer Allah ta'ala. Il dit waqtun khushu'un, le fait qu'on choisisse un temps propice à l'invocation. Et parmi les temps propices, il y a ce temps-là à la fin du Jumu'ah, le temps dans lequel on est. C'est pour cela que bi-ibnillahi ta'ala, à la fin de cette assise-là, je vais vous inviter ainsi que ma propre personne à invoquer un maximum Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos proches et pour la communauté de l'islam. Parce que ce temps-là dans lequel on est, après l'Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'était un temps dans lequel les invocations sont exaucées. Il a dit, il y a une heure, pardon, le jour du vendredi, la yuwafiquha abdun muslim, il n'y a pas une personne musulmane
qui tombe dans cette heure-là et qui invoque son Seigneur sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui réponde à sa demande. Et quand certains compagnons l'ont questionné, ils lui ont dit quelle est cette heure, il a dit, dans certaines versions du hadith qui sont authentiques, c'est l'heure de la dernière heure de la journée du vendredi, c'est-à-dire après l'asr, avant le maghrib. Donc khushu'un, il évoque la condition suivante, qui est le fait d'être en état de concentration, en état de recueillement, se recueillir et non pas invoquer en ayant la tête distraite. Certaines personnes, ils l'invoquent en écoutant la radio, en regardant la télé ou en étant sur son téléphone, en écrivant sur Facebook ou en écrivant sur les réseaux sociaux, en lisant. Ça, c'est un manque de respect. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, recueille-toi. Fais que ton cœur et ta langue soient à l'unisson et que ce ne soit pas juste ta langue qui travaille. Wa husnul dhann est le fait d'avoir une bonne intention, une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ud'u Allah wa antum muqinoon bil ijaba. Invoquez Allah en ayant la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala va vous répondre. Avoir une bonne intention, une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre. Parce qu'Allah azza wa jalla nous a promis qu'il allait nous répondre. Maintenant, la réponse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit: Invoquez-moi et je vous répondrai. C'est une promesse. Mais la réponse, elle se fait selon trois sortes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith. Soit la personne, Allah subhanahu wa ta'ala, lui répond directement en lui donnant ce qu'il a demandé. Ça, c'est le premier type de réponse. Soit Allah subhanahu wa ta'ala écarte de lui une calamité qui allait le toucher qui est équivalente. C'est-à-dire que par exemple, la personne, elle va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant. Et il était écrit dans son destin qu'il allait faire un accident avec lequel il allait perdre l'usage de ses jambes. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'invocation dans laquelle il a demandé un enfant, Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège de cette calamité-là qui allait le toucher dans son destin. Et il la repousse de lui par cette invocation-là. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: La yaruddu al-qada illa du'a, ne repousse le destin que l'invocation. Ou alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui réserve comme cadeau le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui réserve comme cadeau cette invocation-là qu'il a fait le jour de la résurrection en lui donnant un bienfait de l'akhirah, des bienfaits de l'au-delà. Et pour celui qui sait véritablement, les bienfaits de l'au-delà sont énormément plus méritoires et énormément plus gratifiants que les bienfaits de ce bas-monde. Là, aucun ou ya'lamoun, si seulement il savait. Et à ce moment-là, lorsque les compagnons ont entendu cela, ils ont dit: Ya Rasulallah, idhan nukthir. Ô messager d'Allah, on se devrait de faire énormément d'invocations. Si dans tous les cas, aucune invocation qu'on fait, elle n'est pas perdue. Soit tu l'as dans ce bas monde, soit une chose mauvaise t'est repoussée qui est équivalente, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala te la réserve le jour de la résurrection. Les compagnons ils disent: Idhan nukthir, on devrait faire énormément d'invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Allahu akthar. Allah à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera plus que ce que vous pouvez demander. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah la yamal hatta tamallu. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'ennuie pas jusqu'à que vous vous ennuyez. Au moment où Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas la réponse à vos invocations jusqu'à que vous vous ennuyez et que vous délaissiez vous-même l'invocation. Le rapport avec l'enfant, c'est que c'est un bienfait qu'on attend. C'est un bienfait qu'on attend obligatoirement, ou qu'on attend, pardon, avec insistance, que toute personne qui est mariée attend énormément. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que on aime l'enfant comme on aime nos propres personnes, et qu'on aime nos propres personnes comme on aime nos enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il repousse de nous cette chose-là qui allait toucher nos propres personnes et qui allait nous attrister dans nos propres personnes par cette invocation-là par laquelle on demande un enfant. C'est un exemple, bien entendu, mais qui montre quelque chose qui est équivalent. C'est-à-dire qu'une personne, si on lui demande: tu préfères garder l'usage de tes jambes et ne pas avoir d'enfant, ou avoir un enfant et perdre l'usage de tes jambes, et le choix, il sera vite fait, surtout si on lui dit: tu peux avoir un enfant après celui-là, mais juste celui-là, il ne te sera pas écrit. L'hasil. Parmi les conditions de l'invocation également, le fait que la nourriture de la personne soit de halal, qu'elle ne mange que de halal et qu'elle ne se nourrisse pas de haram. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué la situation dans le hadith qu'on va voir dans le 40 hadith de l'imam al-Nawawi. Il a évoqué la situation d'une personne qui fait un long voyage, qui est poussiéreux, qui est ébouriffé, et qui lève les mains et qui dit: Ya Rabbi, Ya Rabbi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors que sa nourriture elle est de haram, ses vêtements ils sont de haram,
il a été nourri, c'est-à-dire sa chair, elle a poussé sur la base de haram. Comment est-ce qu'il peut attendre qu'Allah lui réponde? Comment est-ce qu'il peut attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réponde? Et il dit, et que la personne n'invoque pas en demandant un péché, parce qu'invoquer pour demander un péché, c'est se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est parti de l'i'tida d'un dua, c'est parti de la transgression dans l'invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé. Et évoquer des noms qui correspondent à ce qu'on demande. C'est-à-dire que quand tu vas demander, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde quelque chose, tu vas dire Ya Mu'ti, ou tu vas dire Ya Rahman, ô toi qui es miséricordieux, ô toi qui es le donneur. Parce que tu vas demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse, tu vas dire Ya Tabib, ça c'est partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Tabib, le guérisseur. Tu vas dire Ya Rahman aussi, lorsque tu vas demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala se venge d'une personne qui t'a fait une injustice, tu vas dire Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Ya Jabbar, ô toi qui es le contraignant, ô toi qui es le dur en châtiment. Tu vas évoquer ces noms-là qui correspondent à ta demande. Certains ulama, ils ont dit qu'évoquer un nom qui ne correspond pas à ta demande, c'est-à-dire tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te venger d'une personne en disant Ya Rahman, ou là inversement, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire miséricorde en disant Ya Jabbar. Eh bien, certains ulama, ils évoquent que ça fait partie de la moquerie envers Allah subhanahu wa ta'ala. Non, pas forcément en arabe. Ça peut se faire en toutes les langues. Également, parmi les comportements de l'invocation, le fait de lever les mains. De lever les mains, et ça, c'est un comportement dans toutes les invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Inna Allah hayyun karim, yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Il a dit: Allah est ce qu'on pourrait traduire par pudique, hayy, karim, noble. Il éprouve de la gêne, tabaraka wa ta'ala, lorsque le serviteur il lève ses mains, de les rendre vides. Sans avoir répondu. Donc quand tu lèves tes mains, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'invoque. Tabaraka ta'ala azza wa jal. Naam. Toutes les invocations. Sauf dans le cas de la personne qui est imam et qui prononce la khutbah. Elle ne lève pas les mains. Elle lève le doigt. Et les personnes qui l'écoutent pendant la khutbah, elles lèvent les mains. Selon l'avis authentique des ulémas à ce sujet. Il y a une divergence à ce sujet auprès des ulémas. Mais l'avis authentique, c'est qu'elle peut lever les mains, comme dans n'importe quelle invocation. Parce que le hadith à ce sujet, il ne concerne que la personne qui était sur le minbar. Le hadith dans Sahih Muslim, où le compagnon, il dit « Qabbah Allahu atayn al-yadayn » qu'Allah enlaidisse ses deux mains. « Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazidu ala hadha » Je n'ai pas vu le messager sallallahu alayhi wa sallam faire plus que cela, et il a levé le doigt. Ça, c'est pour la personne qui fait le serment. Est-ce qu'il faut lever ou baisser le visage? Ça, il n'y a pas de texte à ce sujet-là. Mais si la personne, elle se recueille plus en baissant le visage qu'en le levant, si c'est un signe pour elle de recueillement et un signe pour elle de servitude par rapport à Allah et de rabaissement par rapport à Allah, alors c'est demandé. Comme on a vu, le khushu', ça fait partie des comportements de l'invocation. Dire amin également, ça fait partie des comportements de l'invocation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ma hasadatkum al-yahoud ala shay » Les juifs n'ont pas de jalousie par rapport à une chose plus que la jalousie qu'ils éprouvent envers vous à cause de Amin. C'est-à-dire que les juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, les juifs ils sont jaloux de la communauté de l'islam pour ce Amin-là qui a été accordé aux musulmans. Le hadith il est authentique. Amin. Seulement. Maintenant, dans les hadiths qui suivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous mentionner comment est-ce qu'on prie sur lui. Comment est-ce qu'on prie sur lui? L'imam Nawawi, rahimahullah, il a évoqué à ce sujet trois hadiths qui mentionnent les versions de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va les lire rapidement et on va terminer, bi'idhnillah, avec cela. عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه. Donc le premier hadith, c'est le hadith de Ka'b ibn Ujra رضي الله تعالى عنه qui dit: Le messager sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous un jour et nous lui avons dit: Ô messager d'Allah, nous savons comment te saluer, mais comment prier sur toi? Et donc, ça montre que les compagnons, ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toute chose de leur religion. C'est une réplique à ceux qui prétendent aujourd'hui qu'il y a des questions qui sont
inutile et pas importante dans la religion. Bien sûr, on ne parle pas des questions futiles, hein, des questions qui ne servent à rien. On parle des questions qui ont un véritable but, mais certaines personnes vont te dire, oui, mais ça, tout le monde connaît. Mais non, les compagnons, il y a un compagnon, Wallah il a voyagé, si ma mémoire ne me trompe pas, de l'Irak jusqu'à Médine, ou un tabi'i, jusqu'à Médine pour voir Omar ibn Khattab, il lui a dit, je vais apprendre de toi, je suis venu, j'ai fait tout ça juste pour apprendre de toi, tashahhud. Et Omar ibn Khattab, il a pleuré. Pour montrer à quel point ils avaient yani, cette ardeur et cette envie d'apprendre la science, ils questionnaient le messager sallallahu alayhi wa sallam et les générations ensuite, elles questionnaient les compagnons, etc., etc. Questionnaient les gens de science de manière générale sur toutes les choses de leur religion. Sur toutes les choses. Et c'est grâce à eux, entre autres, c'est eux la cause par lesquelles nous avons appris nous notre religion. Donc ils ont dit, nous savons comment te saluer, comment prier sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammad, ô Allah, couvre des loges Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad, comme tu as couvert des loges Al Ibrahim, la famille d'Ibrahim. Innaka Hamidou Majid, tu es certes le digne de louange, le glorieux. Allahumma barik ala Muhammad, ô Allah, couvre de bénédictions Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad, comme tu as couvert de bénédictions la famille d'Ibrahim, tu es certes le digne de louange, le glorieux. Donc, ça, c'est une des versions avec lesquelles on peut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre, وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ Donc ça montre que c'est une autre question que les compagnons ils ont posée. Ça montre que les compagnons ils posaient énormément de questions à propos de ce sujet-là qui fait partie des sujets qu'on pourrait considérer comme des sujets simples dans la religion. Et les ulama, ils s'énervaient quand on parlait de sujets simples dans la religion. Il y a un Malik, un jour, comme rapporte Shatibi dans le Muwafaqat et le Qadi Iyad dans Tartib al-Madarik, l'imam Malik, une personne qui est venue le voir un jour, il lui a dit, Ya imam, ô imam, j'ai une question à te poser qui est une question simple. Yani, innaha mas'alatun hayyinatun yasira. Il a dit, c'est une question qui est simple et facile. Ou plutôt, il a posé la question, l'imam Malik a dit, La adri, je ne sais pas. Et la personne a dit, mais c'est une question qui est simple et facile. Et l'imam Malik, là, à ce moment-là, il s'est énervé. Il s'est énervé jusqu'à que certains rapportent que son visage, il est devenu rouge. Il a dit, mas'alatun hayyinatun yasira. Il a dit, une question simple et facile. Il a dit, laysa fil ilmi shay'un yasir. Il n'y a rien dans la science qui est facile et qui est simple et qui est léger et qui n'a pas d'importance. Il a dit, n'as-tu pas entendu? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alayka, nous allons te révéler une parole lourde. Tout ce qui est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est important. Tout ce qui est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est lourd de sens. Donc dans ce hadith, Abu Mas'ud al-Badri, il rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu aux compagnons alors qu'ils étaient dans l'assise de Sa'd ibn Ubadah, qu'Allah ta'ala l'agrée. Et Bashir ibn Sa'd, un des compagnons, dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, Ô messager, Allah nous a ordonné de prier sur toi. Comment est-ce qu'on fait pour prier sur toi? Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'est alors tu. Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu, il n'a rien dit. Jusqu'à que les compagnons ils disent, nous aurions préféré, nous aurions voulu qu'il ne l'ait jamais questionné. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Et pourquoi est-ce que les compagnons nous ont dit ça jusqu'à que nous ayons voulu qu'il n'ait jamais questionné? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tué longtemps. Donc il pensait que le compagnon il avait gêné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que non, en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait la révélation de son Seigneur. Et ça montre le respect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait par rapport à son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Le respect que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait à la révélation. Il ne prononçait rien sans la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammad, ou Allah couvre des loges Muhammad ainsi que la famille de Muhammad, comme tu as couvert des loges Ibrahim, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim, tu es certes le digne de louange, wassalamu kama qad alimtum, et saluez ce fait comme vous le savez. Et le troisième et dernier hadith, et c'est notre hadith de fin, bi'ibnillahi ta'ala, c'est un hadith également où il y a un autre compagnon qui pose la même question au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui va lui donner une autre version. Donc tous ces hadiths-là nous montrent l'importance de poser des questions à propos de la religion. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ أبو حميد الساعدي rapporte que les compagnons ont dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que nous pouvons prier sur toi? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam de dire, قولوا dites اللهم صل على محمد او الله كفر دلاج محمد وعلى أزواجه وذريته
ainsi que ses épouses et sa descendance. Donc ça c'est une autre version. Kama sallaita ala Ibrahim, comme tu as couvert d'éloges Ibrahim, wa barik ala Muhammad et béni Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi, ainsi que ses épouses et sa descendance. Kama barakta ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid, comme tu as béni Ibrahim, tu es certes digne de louange et glorieux. Donc prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte qui est recommandé en particulier en ce jour de Jumu'ah. Profitez de ces derniers instants que vous avez dans ce jour béni-là de Jumu'ah. Vous ne savez pas si Allah subhanahu wa ta'ala va vous permettre de vivre le suivant la semaine prochaine. Donc profitez de ces derniers instants-là. Remplissez votre bagage que vous allez prendre avec vous pour le jour de la résurrection. Remplissez-le de ces actes-là bénis et de ces actes-là bénéfiques. Priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, comme vous le savez, lisez sourate al-Kahf, qui est un acte recommandé le jour du vendredi. Et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala durant cette heure-là, qui est une heure bénie, bi'idhnillahi ta'ala, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations, comme il est mentionné dans le hadith authentique qu'on a cité précédemment. Et n'oubliez pas les comportements de l'invocation. Essayez de faire vos ablutions, essayez de vous diriger vers la Qibla, de lever vos mains vers Allah tabaraka wa ta'ala, en direction de la Qibla, et de respecter tous les comportements qu'on a mentionnés dans les vers de poésie qu'on a cité précédemment. Essayez de faire un maximum d'efforts pour montrer un khushu' et un recueillement à Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam, barik alayna bin Muhammad wa alayhi wa sallam. Naam, on peut mentionner la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le premier tashahhud. Celui qui dit que c'est bid'a de lever les mains pour le dua, c'est lui la bid'a. C'est lui qui n'a rien compris à la science, et c'est lui qui ne devrait pas parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun savant, et je le répète une troisième fois, aucun savant qui a dit que lever les mains était une bid'a pour le dua. Mais certains ulama, ils ont dit qu'il y a certains moments où il était déconseillé de lever les mains. Et ça, c'est un ijtihad que les ulama, ils ont fait selon certains textes. Et on l'a mentionné tout à l'heure, on a dit que le seul moment où Allah ta'ala a'lam, que les ulama ont cité comme étant détestable pour la personne de lever les mains, c'est le moment où une personne qui fait la khutbah, elle arrive à l'invocation à la fin de la khutbah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé les mains. Et encore, c'est un sujet de divergence. Et parmi les ulama, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit c'est un sujet de divergence où il n'y a pas d'avis juste. Donc celui qui veut, il lève les mains, celui qui ne veut pas, il ne lève pas les mains. La rediffusion est laissée tout le temps. Priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le premier tashahhud. C'est un sujet de divergence entre les écoles, mais ce qui en ressort, c'est que ce n'est pas une chose qui est déconseillée de toute manière, donc on peut le faire. La lecture de Sourate Al-Kahf, elle se fait du Fajr, du jour du vendredi, jusqu'au Maghrib, du jour du vendredi. Wallahu a'lam. Parce que du Maghrib, du jour du vendredi, donc la veille, le jour en islam, il commence au Maghrib de la veille. Donc le Maghrib du jeudi, c'est le début de la nuit de vendredi. Le Maghrib jusqu'au Fajr, c'est la nuit de vendredi. Et ensuite du Fajr jusqu'au Maghrib, c'est la journée de vendredi. Et après le Maghrib qu'on va vivre là, ça va être la nuit du samedi, et ainsi de suite. Donc c'est cela la journée du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit, celui qui lit Sourate Al-Kahf le jour du vendredi. Donc ceux qui ont dit que ça peut se faire à partir du Maghrib, ils n'ont pas, leur avis n'est pas correct de ce point de vue-là, parce que ce qui est mentionné dans le hadith, c'est le jour du vendredi. Donc ça commence après le Fajr. Wallahu a'lam. Et ceux qui veulent plus de renseignements à propos de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous conseille l'excellent livre d'Ibn Qayyim rahimahullah. Je voulais en lire des passages, mais on n'a pas eu le temps. Qui est Jala al-Afham, fils Fadl al-Salati wa salam ala Muhammadin Khayri al-Anam. Ibn Qayyim rahimahullah, il écrit tout un livre. Regardez la taille du livre. Il a écrit tout un livre sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est bien fait. Que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle peut avoir sur la personne. Il mentionne que il est recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où on invoque, au moment où on rentre à la mosquée, au moment où on est au moment où on clôture le Coran, le jour du vendredi, au moment où on se lève d'une assise, au moment où on passe dans la mosquée, au moment où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, au moment où on a des situations difficiles. Il dit, quand tu as une situation difficile, quand tu as une tristesse, quand tu veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala, prie abondamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu veux te repentir d'un péché, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Etc. etc. La prière du vendredi, elle se fait dans le temps de Dhuhr, selon
la vie authentique de notre école, l'école de l'imam Malik et d'autres écoles, elle se fait au moment du dhuhr. Donc quand le dhuhr il rentre, jusqu'au moment où le dhuhr il sort. Parce que la prière du vendredi, elle remplace le dhuhr, donc elle a le même jugement que lui au niveau du temps. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.